Nous l'avons vu dans la cassette OVNI USA. L'ufologie aux États-Unis est beaucoup plus avancée par rapport à celle de l'Europe en général et la France en particulier. Il est courant là-bas de parler des gris, ces êtres de petite taille, négatifs, des forfaitures qui commettent, les inséminations, les enlèvements bien sûr, les mutilations. Il y a aussi la désinformation là-dessus. Et on serait tenté de penser à tort que c'est seulement là-bas, au-delà de l'océan, que ça se produit. Nous allons voir qu'en France, nous commençons à connaître ce genre de choses extrêmement désagréables. Il faut le reconnaître, malheureusement, il y a des ufologues en France, ou prétendus tels, pour qui la réalité du phénomène OVNI n'est pas du tout évidente, on ergote, on discute. Il y a même un ufologue, un odeur de sainteté dans les coulisses du pouvoir, qui me conseille de m'adresser au responsable du plateau d'Albion, où on m'expliquera qu'il n'y a pas de présence de gris. Le gris, je le signale à nos amis qui ne connaîtraient pas ça, ce sont des êtres de petite taille, négatifs, sur lesquels j'ai écrit un bouquin, un roman vérité, Ibien, alerte rouge, chez Vaugirard. Mais là, il ne s'agit plus de roman, mais d'ouvrage documentaire, où j'explique en long, en large et en travers, témoignage à l'appui, qu'il s'agit bien de gris qui sévissent dans les niveaux souterrains du plateau d'Albion. Alors pour enchaîner sur les ufologues un peu bidons, parlons du prince des ufologues, Jean-Jacques Velasco, qui est abondamment cité dans OVNI Présent, dans ce numéro-là, dont le nom apparaît un tout petit sur la couverture du bouquin soi-disant de Jean-Claude Bourré, OVNI, la science avance, qui est un titre assez amusant si on y réfléchit bien. Velasco, qui est interviewé, dit ceci de Bourré. Ils sont amis et il en dit plus de mal que moi je ne dis de Bourré. Cet ouvrage à l'aval de mon établissement, à savoir le CEPRA. Et en plus, si certains pensent que Jean-Claude Bourré s'approprie cet ouvrage, les gens ne sont pas dupes quant à savoir qui l'a écrit. Ils se rendent bien compte, comme l'a dit un journaliste du Provençal, je crois, qu'il est le vecteur médiatique pour le bouquin. Voilà, c'est tout, et pas autre chose. Fin de citation. Alors là, Bourré en prend plein les gencives, autant qu'il n'a pu en prendre chaque fois que j'ai dit du mal de lui, avec raison. J'ai chaque fois apporté des éléments. Il n'y a pas que des ouvrages négatifs, fort heureusement. Notre ami Jean-Luc Chomaille a publié Le temps et les ovnis chez SPM, fort intéressant. Et enfin, ce remarquable ouvrage de Jean-Gabriel Grelet, Un pylône de ligne parle, les objets volants non identifiés, chez Guy Trédaniel. Jean-Gabriel, tu es, on le sait, on t'a vu sur le petit écran plusieurs fois, un pilote de ligne, tu commandais un Boeing, tu es, comme d'autres, personne volante de ceux qui ont vu l'un de ces engins. Alors, ça s'est passé où? Comment? Alors, ça s'est passé, en fait, à plusieurs reprises. Et les deux premières fois, c'était essentiellement la première fois, un éco-radar qui était seulement détecté sur le radar, parce que nous étions en vol de croisière au-dessus d'une, ce qu'on appellerait une mer de nuages. Et nous avons été doublés par un écho dont la vitesse était à peu près de 4000 km à l'heure supérieure à la nôtre. Comme nous allions à peu près à 800-850 km à l'heure, on peut compter sur une vitesse très proche de 5000 km à l'heure. Une seconde fois, s'est passé pratiquement la même chose, bien que cette fois nous avons parfaitement vu une sorte de groupe de trois billes, comme trois billes d'acier qui nous dépassaient par la droite, trois billes d'acier qui avaient derrière elles une énorme
traînée lumineuse, assez bizarre d'ailleurs. Je crois que c'était tout aussi curieux que l'aspect de ces billes qui finalement était assez peu visible. Et derrière, la traînée était en quelque sorte dense, lumineuse et dense, comme si elle avait été produite, je ne sais pas, imaginons du polystyrène éclairé de l'intérieur, ça donnerait un petit peu l'impression. Parmi les recherches que tu as faites dans le domaine de l'ufologie, qu'est-ce qui t'a le plus frappé, le plus étonné, le plus surpris ? Oh, c'est un petit peu difficile à dire, mais en réalité, la chose qui me surprend toujours le plus, mais qui finalement a fini m'a convaincu de la réalité du phénomène OVNI, de sa réalité concrète, ça a été l'attitude complètement aberrante des autorités officielles américaines, qui avaient été mes chefs pendant que j'étais élève pilote aux États-Unis, et qui, en pleine guerre de Corée, négligeaient complètement, mieux faisaient le nécessaire pour qu'il n'y ait aucun rapport d'objets, au moins d'apparence d'objets qui se promenaient dans le ciel des États-Unis, en pleine guerre de Corée, alors qu'ils étaient en train de former des milliers de pilotes pour la Troisième Guerre mondiale. Or ça, c'est tout à fait improbable, c'est tout à fait impossible. On ne néglige pas, d'abord, quand on est responsable de la défense aérienne d'un territoire, on ne néglige pas ce qui se passe dans le ciel, mais mieux encore, on ne prend pas, on ne fait pas le nécessaire pour faire taire les témoins potentiels. Or, la seule raison, et je n'ai jamais à aucun moment pensé que les responsables de l'US Air Force ou du gouvernement américain pouvaient être traîtres à leur pays, autrement dit, la seule raison possible, imaginable, c'était qu'ils avaient une source d'information bien meilleure que tous nos rapports, y compris les rapports de pilotes de chasse. Mais je pense d'ailleurs que le sujet continue à être fascinant. C'est pas parce qu'on a découvert que très probablement les extraterrestres sont là, que très probablement ils interagissent avec nous, probablement de multiples façons, qu'il n'y a plus rien à découvrir. Au contraire, c'est le début d'une période absolument fascinante. Découverte fantastique et analyse extraordinaire, objective, oui, nous trouvons ça dans le second bouquin remarquable de Jean-Gabriel Grelet, paru également chez Guy Trédaniel. Hypothèse extraterrestre, c'est le titre, mais c'est une certitude. Vous pouvez me faire confiance et lui faire confiance, c'est une certitude. Lisez-le. En revanche, alors là, les choses comiques, à prétention sérieuse, et qui sont évidemment de l'intox pur et dur, ce qui est assez méprisable, vous le trouverez dans ces bouquins. Alors cet ouvrage en particulier, il est dangereux, parce que sous couvert de recherches qui ont l'air objectives, intéressantes, il s'inspire constamment du GEPAN puis du CEPRA, c'est la même mafia. On cherche à nous raconter des salades, parce que cet auteur, Roussel, s'appuie uniquement sur les principes de banalisation édictés par le GEPAN puis le CEPRA. C'est-à-dire que tous ces phénomènes appartiennent au genre tout à fait banal, c'est mal expliqué, les ovnis, oui, probablement, mais enfin, c'est pas sûr, on va voir, il n'y a rien. Alors, prudence. Maintenant, nous allons nous rendre dans la Meuse, à Tronville-en-Barrois, auprès d'une famille qui ne fait pas parler d'elle, des gens normaux, qui ont vécu une bien curieuse aventure qui ne doit rien à l'imagination. Monsieur Michel Lopez, c'était la nuit du 3 janvier 1994. Il était minuit environ. 0h05. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était 0h05, ça a duré jusqu'à 0h20. Alors ce qui s'est passé, c'est-à-dire on venait de se coucher. On venait de se coucher, donc tout le monde était couché. Donc moi, ma femme et mes enfants. Donc moi, ma femme et la petite. Bon, tout d'un coup, moi je vois une lueur très claire. Bon, alors de là, moi ça m'a quand même inquiété. J'ai dit, bon, il y a quelque chose qui se passe. Puis premièrement, moi je dors toujours mes volets ouverts. Comme je sais qu'il y a pas mal de coups durs des fois de cambriolage de, hein, de voiture, comme ma voiture couche dehors. Alors je me suis mis tout de suite à ma fenêtre. Et c'est là que j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est de ce phénomène-là? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est là que tout le monde s'est levé, hein, toute ma famille, et puis quand on a découvert ce phénomène-là, de l'intérieur, et on l'a observé peut-être 2-3 minutes à l'intérieur,
Alors, M. Lopez, après avoir vu cette lueur dans votre chambre, vous êtes sorti, vous avez vu quoi? Ben, moi, j'ai vu un engin posé, mais je ne l'ai pas vu ni décoller, ni atterrir. Je suis franc, hein. C'est ce que j'ai bien dit à tout le monde. Moi, j'ai vu qu'il était à terre, et moi, pour moi, c'est un truc, un phénomène que je n'ai jamais rencontré dans ma vie, ni ma femme, ni mes enfants, ils ont tous été marqués par ça. Et ça avait la forme circulaire, hein, en circulaire. À peu près, d'après ce qu'on j'imagine, 5-6 mètres en circulaire, avec un dôme. Le dôme était transparent. Le dôme en façade, très large, et très haut, et très transparent. Très transparent, très clair. On les voyait comme on se voit ici. Et vous avez vu des... Trois êtres humains. De front, hein, comme ça, hein, en façade. Comme voilà, on est là, tous les trois. Tous les trois. Ils étaient assis ou... Par moment, ils étaient assis, par moment, ils étaient debout. Ah bon? Dans cet engin-là. Ils étaient assis et par moment, debout, hein, je précise bien. Parmi, après on a pris un par un, les jumelles de ma fille. Parmi un des trois, celui qui se trouvait au milieu, il avait une tête comme ça. Ça, c'est vrai. Plus grosse que la nôtre. Plus grosse que la nôtre. Et bien important. Et les deux autres se trouvaient dans normal. Une adulte comme nous, à peu près 1m75, 1m80 de grandeur. Et leur... Leurs vêtements se trouvaient gris, en amiante brillant. Gris en amiante brillant. Visage découvert, n'avait pas de... Là, je peux pas vous dire, on voyait pas de masque. Hein. C'est donc ici, sur ce chemin, que M. Lopez a vu avec sa famille, un engin d'origine extraterrestre ou originaire d'une autre dimension. Ça a duré pendant un petit moment. Après, on a entendu un bruit. On a entendu une porte sur l'arrière qui se levait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais pas une porte comme une voiture, une machine qui se levait comme ça. Et parmi un, des trois, donc il y avait celui qui était là, à droite, celui qui était au milieu, qui avait une grosse tête, et celui-là. Celui qui était à ma gauche, là, a sorti par l'arrière et est venu devant. Et il avait une grande torche. Vous l'avez vu sortir? Ah oui, il y en a un qui est sorti. Vous l'avez vu sortir? Il y en a un qui est sorti avec une torche. Et il a éclairé devant son appareil. Et puis après, sans doute qu'ils nous ont vus, parce que nous on les voyait très bien comme en plein jour. Donc il est sorti, après on l'a vu remonter dans l'appareil. Tout s'est éteint. Et puis ça a pivoté. Et on a entendu un bruit de réacteur. Ça fait ouh. Et puis on n'a plus rien vu. On est rentré. Mais on ne l'a pas vu repartir. Vous dites un bruit de réacteur, mais c'est sifflement. Une image. Sifflement. C'est pas un sifflement violent comme celui d'un réacteur. Non, c'est un bruit sifflement. Auparavant, le phénomène OVNI ne les intéressait pas. Mais confrontés à la réalité, les Lopez ont décidé de s'informer. Ils ont également fait part de leur expérience à d'autres personnes. Et là, malheureusement, ils se sont heurtés à l'incrédulité des gens. Oh ben, il y en a qui ont... Bon, les gosses, les jours qui suivaient, bon, ils ont fait traiter d'Iti, de fou, vous êtes fou, vous avez rêvé, n'importe quoi. Tous des trucs comme ça qu'ils leur ont dit aux enfants, hein, même à moi, à mon travail, ils m'ont dit, mais tu rêves, tu t'as rêvé ou quoi? Heureusement, les sarcasmes n'effacent pas la réalité. Et comme c'est souvent le cas dans les affaires de contact, d'autres observations se produisent qui renforcent les précédentes. Quelques jours après, j'ai fait d'observations dans le ciel, à Tranville-en-Varois, mais... Moi j'ai dit, on ne dira plus rien, parce que vu qu'on est déjà pris pour des fous, vous allez à Tranville, tout ça... Alors moi j'ai dit on ne dira plus rien, mais ce qu'on a vécu, on l'a vécu, et ce qu'on voit encore, on garde secret. Voici donc la famille Lopez qui, lassée des imbéciles qui se sont moqués d'eux, décide de ne plus parler. C'est navrant parce que cette famille n'a pas été la seule à témoigner. Le lendemain, les Lopez ont rencontré une dame qui travaille au HLM de la région, qui elle aussi a vu dans la même direction, au même moment, un phénomène lumineux extrêmement violent, très visible, et on a trouvé, et nous y sommes allés sur place, on a trouvé au sommet d'une colline, près de la statue d'une vierge, un cercle dans le sol. Une enquête a été menée par un ufologue de Paris, Claude Raffi, qui est un homme tout à fait sérieux. Alors je crois qu'il faudrait éviter désormais de se plaindre, de ricaner, de parler d'hallucinations
de se moquer des gens. Il faut les écouter, il faut les encourager quand ils parlent, parce que nous avons besoin de leur témoignage. Nous allons maintenant rencontrer un ufologue qui lutte lui aussi contre l'intox et qui a écrit cet ouvrage tout à fait remarquable, une enquête systématique sur l'observation du 5 novembre 1990. Là, nous allons en apprendre de Werth et de Bamur. Franck-Marie, 1947, naissance non pas du phénomène, mais de l'expression soucoupe volante, 1994, ça fait 47 ans. Et bien évidemment qu'entre spécialistes, on sait que ça a terriblement évolué. Et on sait qu'on va vers autre chose. Alors, quel est le point de tes recherches dans ce domaine et vers quoi nous dirigeons-nous? Bon, le point de des recherches, en fait, tout a commencé pour nous par le cas du 23 septembre 1986. Nous venions d'avoir la création de notre groupe, donc Banque OVNI, et les premiers appels à témoins qui étaient passés à l'époque donnaient en fait un panorama de la situation sur les événements du 23 septembre 86, 7 heures du matin, une multitude d'objets au-dessus de l'Europe, des lumières dans le ciel, des objets apparemment matériels, et des témoignages qui sont arrivés qui confirmaient que la version officielle de l'époque donnée par le milieu scientifique français, à savoir des rentrées météoriques, ne correspondait à rien de cohérent par rapport aux témoignages. Mais à l'époque, on était pas réellement prêt à réagir peut-être aussi positivement, donc on a fourbi un peu nos armes avec le temps qui a passé, l'expérience venant du contact avec les témoins, et là on a eu effectivement de nouveau pour cette vague du 5 novembre 90 la possibilité de faire un travail peut-être plus évident. Alors la manière dont ça s'est passé, bon, peut-être un très bref rappel, 5 novembre 90 vers les 19h, des multitudes de lumières dans le ciel, la nuit était tombée, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud ou en centre de la France, pour ce qui concerne la France, des multitudes de témoignages qui étaient incohérents apparemment les uns par rapport aux autres, puisqu'il était question de triangles, de losanges, de sphères, de masses noires énormes. La version officielle le donnait. La rentrée de l'engin porteur d'un troisième étage de fusée qui avait lancé le satellite Horizon 21 quelques jours avant. De source NASA, il y a la certitude, non confirmée de milieu soviétique à l'époque, il y a la certitude qu'il y a eu une rentrée atmosphérique de fusée porteuse à 19h07, mais à la verticale de Beach, à 120 km d'altitude, donc à la frontière, à la limite de la frontière allemande. Or, un témoin qui est placé à 120 km de Beach voit cette rentrée atmosphérique par 45 degrés. Et plus on s'éloigne, plus l'angle est bas sur l'horizon. Or, pour ce qui concerne les témoignages du 5 novembre 90, plus de 80% des témoins affirment que l'objet était à leur zénith, en proximité immédiate, à moins de 300 mètres, à 19h précise. Alors, soyons clairs, deux témoins sont distants de 5 km. Ils affirment avoir été survolés par un objet à 19h précise, soit que l'objet fait 5 km de long, soit qu'il y a deux objets. Et on multiplie le raisonnement à l'infini sur l'ensemble de la France et on obtient déjà une première approche de constat. Déjà, on avait affaire à une technologie qui ne pouvait absolument pas être d'origine humaine. La moyenne de longueur des objets qui sont impliqués dans les événements du 5 novembre 90, tourne aux alentours de 700-800 mètres de long. Silence total, silence relatif. Parce qu'un certain nombre de témoignages ont décrit qu'au passage de l'objet, le son était étouffé, les sons environnants étaient comme gommés. Donc il y a peut-être également dans la technologie qui est impliquée des phases qui échappent à notre raisonnement et à notre entendement au regard des sciences contemporaines, mais qui par contre restent un tout cohérent si on analyse l'ensemble des témoignages au niveau national, on s'aperçoit qu'il y a des rapports communs, qu'il y a des points communs qui prouvent, par ces témoins qui ne se connaissent pas, qu'ils ont observé quelque chose qui dépend de la même structure matérielle au niveau de la technologie et que celle-ci ne peut pas être d'origine humaine. Il y a quelque chose qui se prépare, semble-t-il. Le 5 novembre 90, on a eu le sentiment extrêmement vif, et cela, nous faisons le pari que personne, y compris dans le milieu scientifique, ne pourra prouver le contraire, que nous sommes rentrés en phase de pré-contact. Dans le sens où, d'une manière quasi générale, les témoins qui ont été confrontés à ces phénomènes ont ressenti avec une très grande force, le sentiment
que le matériel qui se présentait à leur vision était en quelque sorte en représentation, était là pour être vu, pour qu'il y ait la possibilité d'étudier et de comprendre qu'il y avait un plan, de comprendre que c'était un matériel d'origine non humaine. Il y a une telle évidence que les informations qui ont transité tant par la gendarmerie que vers l'armée, que vers les observatoires ou la presse ou vers nous, abondent d'informations prouvant qu'il y a la réalité des phénomènes du 5 novembre et des déductions que l'on a pu en faire. La position du CNES est en quelque sorte devenue comme une... Il y a un mensonge. L'opinion publique a réellement été manipulée par l'attitude du milieu scientifique français qui a affirmé, pour clore le débat, qu'en quelque sorte tout était expliqué par la rentrée de cet élément de fusée. Je partage tout à fait les vues de Franck Marie. Le CNES, le Centre national d'études spatiales à Toulouse, a chapeauté le GEPAN et le CEPRA. Maintenant, il est le siège d'une monstrueuse intox et le siège de la désinformation systématique à propos des ovnis. Nous avons montré dans plusieurs de nos précédentes cassettes l'existence de cette sorte de mafia planétaire, de gouvernement secret qui étouffe vraiment la vérité. Il n'y a pas qu'en France, c'est un peu vrai partout. Et cette vérité n'est pas agréable à entendre, bien sûr. Ces extraterrestres se conduisent chez nous en terrain conquis. Mais nous avons quand même des éléments valables en faveur de la réalité objective de ces phénomènes, de ces manifestations. Nous avons rencontré à Marseille une femme charmante et ses deux fils qui nous ont fait part des événements qu'ils ont vécus, extrêmement curieux et inquiétants. Renaud, c'est vous qui avez vu le premier un objet évoluer au-dessus des collines Marseille Vert. C'était quand ? Eh bien, écoutez, il s'agissait du 19 novembre 1993, vers 22h15. Je me suis rendu sur mon balcon et mon regard s'est posé, par le fruit du hasard, sur le massif de Marseille Vert. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'une apparition fulgurante, fort lumineuse, d'origine, à mon sens, non terrestre, en l'état actuel des connaissances scientifiques modernes, je pensais vraiment que cette apparition était le fruit de quelque chose d'extraordinaire. C'était comment ? C'était sphérique ? C'était long ? C'était carré ? Eh bien, écoutez, je ne peux rien vous dire de plus ou de mieux que cet appareil avait vraiment, véritablement, la forme d'une goutte d'eau. D'une goutte d'eau, donc, d'une forme peu commune en matière d'aéronautique. On connaît la forme, bien évidemment, des aéroplanes, des avions, des fusées, voire des phénomènes stellaires, comètes, etc. Et cette forme a vraiment une apparence, serais-je tenté de dire, de science-fiction. Et la pointe était dirigé vers le haut ou vers le bas ? Eh bien, écoutez, cette apparition se situait sur un plan horizontal. Donc, ce que j'ai supposé être le cockpit ou le poste de pilotage avec une forme légèrement sphérique se situait à l'avant, et l'arrière étant effilé, étiré, il s'agissait véritablement donc d'un plan horizontal et d'une direction légèrement sphérique. L'appareil a suivi la trajectoire du massif de Marseille Vert et de la colline. Intrigué par cette affaire, Olivier, le frère de Renaud, décide de se rendre dans la colline Marseille Vert. Et là, il sera à son tour confronté au phénomène. Alors, le phénomène s'est passé vers 15h. Voilà, c'était dans les jardins de Marseille Vert, dans les collines de Marseille Vert. Et suite à l'observation de mon frère, j'ai décidé d'aller sur le site et de voir s'il y avait des traces. Alors, je suis monté sur la montagne. Je suis resté 2 ou 3 minutes et auparavant j'ai entendu des bourdonnements. Alors je me suis dit, bon ben, c'est bizarre, bon on va voir. Alors je suis monté et je vois une forme, un ovni en forme de goutte d'eau qui est sortie du sol sans faire aucune trace sur le sol et qui montait à peu près de 15 ou 20 mètres et qui a disparu comme ça sans aucun bruit. Alors la taille de cet engin
faisait sans doute deux ou trois fois celle d'un homme. Et affolé, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis parti. Et je suis parti vers chez moi en 5 minutes. Voilà, voilà, j'ai couru affolé, je me suis affolé. Et je crois que votre maman fut également le témoin, mais pas du tout au même moment. Pas du tout au même moment, oui. Elle était témoin de ce genre d'apparition un an ou deux ans auparavant, l'observation que j'ai faite. Liliane, vous êtes la maman d'Olivier et Renaud, qui ont fait une observation. Chronologiquement, comment ça s'est passé? Alors, tout à fait. Dans un premier temps, il y a 2 ou 3 ans, je me suis retrouvée sur mon balcon parce qu'il faisait très chaud dans l'appartement. C'était début juillet. Et j'ai regardé le ciel parce qu'il y avait un ciel super étoilé. Et tout d'un coup est arrivée une apparition, disons, que je qualifierais d'OVNI, puisque OVNI c'est non identifié, qui a fait un passage fulgurant dans le ciel et qui est allé, entre guillemets, se buter contre la colline. Et pour moi, je m'imaginais que ça allait se fracasser contre la colline. Et en fait, pas du tout. Ça ne s'est pas fracassé, ça a disparu. Et c'était en forme de goutte. C'était elliptique, en forme de goutte, c'était assez énorme. Et j'ai vu tant et plus des étoiles filantes, parce qu'à la montagne, nous en voyons beaucoup. Donc, je ne pouvais absolument pas l'identifier à une étoile filante. Je ne pouvais pas l'identifier à quelque chose de connu. Je n'ai rien dit, j'en ai parlé à maman, j'ai dit, tu sais, j'ai vu ceci, et puis point final. Et je n'en ai pas parlé aux enfants, pourquoi, je l'ignore. Et ça a été une affaire classée. Et le soir, quelques années plus tard, Renaud est venu un jour me réveiller, c'était le soir, me réveiller en me disant, tu sais, j'ai vu un objet, quelque chose. Alors, comme j'étais en train de dormir, j'avais vraiment pas envie de rentrer dans cette discussion. Et le lendemain, ça m'a quand même trotté et j'ai demandé à Renaud ce qu'il avait vu. Et avant même de lui dire, de voir ce qu'il avait dessiné, je lui ai dit, c'était en forme de goutte ce que tu as pu voir. Et il m'a dit exactement. Une sensation d'être observé s'est fait sentir. Hein. Vous voyez, dans ma chambre, sans être plus ou moins paranoïaque, hein, j'ai eu que pendant quelques temps une sensation d'être observé, parce que j'ai la vue de ma chambre qui donne directement sur l'endroit de l'observation, et il est apparu quelques petites boules sphériques près du site. Alors voilà, l'observation s'est faite ici, vers cette montagne, hein, sur cette montagne, sur cette butée, et le phénomène s'est constaté ici. Voilà, disons que ça donne en plein sur la chambre, et on voit à chaque fois les petites boules qui sont venus ici, hein, et tous les phénomènes ont été constatés dans ce site. Hein. Avec Alain Ranguis, nous nous rendons sur place. Alain Ranguis du CEOF, le Centre d'études d'OVNI France. Sa formation d'ingénieur nous permet de tester la radioactivité du site ainsi que d'autres paramètres. Comme nous nous y attendions, les mesures ne révèlent rien d'anormal. Pourtant, un événement intéressant se produit. Olivier se met subitement à saigner du nez. J'ai des saignements de nez fréquents qui se sont déclenchés depuis que j'ai fait cette observation. Voilà. Alors là, on s'est rendu sur le site de l'observation et c'est passé un phénomène que je ne sais pas expliquer. C'est-à-dire mon nez s'est mis à saigner. Voilà. Et votre frère Renaud, ça lui arrive aussi? Oui, depuis l'observation. Voilà. Avant, ni vous ni votre frère ne donnaient de saignement de nez. Tout à fait. En dehors de ce saignement de nez, est-ce qu'on peut parler d'autres types de séquelles? Ah oui, alors on peut parler d'autres types de séquelles, c'est-à-dire depuis que j'ai fait mon observation, je fais des angines à répétition, hein, des angines, des rhumes, je suis tout le temps enrhumé, et bon, je prends des traitements, et rien n'y fait. Hein, rien n'y fait, donc ça fait 4-5 mois que je me trimballe, entre guillemets, mon angine, qu'on ne sait pas expliquer. Voilà. Dans ce cas, qu'à ces jeunes gens, c'est ce qui manque qui est le plus important. En effet, ces saignements de nez sont le symptôme, sont l'aspect visible.
de la mise en place d'un implant. Ce qui implique évidemment qu'il y a eu une rencontre rapprochée, voire un enlèvement. Ces saignements de nez se poursuivent, de même que notre enquête. Alors, gardons le domaine de l'hypothèse, même si nous sommes enclins à penser qu'il y a eu enlèvement. Nous en saurons peut-être davantage plus tard, avec ce cas extrêmement intéressant. Mais nous avons eu la chance de rencontrer à Paris Laurence Rodriguez, une jeune femme qui, elle, a rencontré un gris. Oh, pas sur les Champs-Élysées, mais à Paris tout de même, pas très loin de Notre-Dame. Nous sommes derrière Notre-Dame, à Paris, bien évidemment, et Laurence Rodriguez, vous avez eu dans votre vie des choses marquantes, curieuses. D'abord, en mai 1976, que s'est-il passé? En mai 1976, je sortais, il était 10 heures, le ciel était dans cette bleu, comme aujourd'hui, et je sortais faire des courses avec ma mère, et toutes les deux, j'ai aperçu un objet brillant, immobile dans le ciel. Vous l'avez observé pendant combien de temps? Une minute ou deux. Il est resté immobile, sans bouger, au-dessus donc de la mairie, à peu près. Quelle forme à peu près? Comme un disque, moi j'appelle ça une médaille, mais un disque, la forme d'un disque. Bien. Quelques années plus tard, disons 10 ans plus tard, c'était en 88 je crois. En mai 88. Vous étiez dans ce square, Jean 23, avec vos jeunes cousines espagnoles. Oui, je leur faisais visiter la ville. Voilà. Je traversais donc le square et arrivé à ce niveau du square, je suis restée complètement pétrifiée de peur et d'horreur. Quelqu'un était posé sur le banc, assis sur le banc, agenouillé, qui me regardait, les yeux très très noirs et perçants, une peau d'un gris. On ne peut pas définir entre le gris plomb et entre le gris vert, qui était assis là, qui me regardait. Et j'ai demandé à mes cousines, qu'est-ce que c'est cette personne? Elle dit, mais il n'y a rien du tout sur ce banc. Tu rêves? Viens avec nous, viens. Et impossible de bouger quoi que ce soit tellement j'avais peur. C'était donc cette chose, entre guillemets, c'était cette chose-là que vous avez vue, qui était grande, petite. Oui, assez grande quand même. Mais une taille d'adulte. Une taille d'adulte, mais recroquevillée, complètement recroquevillée. Et encapuchonnée. Et encapuchonnée, oui, de blanc. D'un blanc comme du lin. Bien, alors cette observation, vous l'avez faite toute seule, c'est-à-dire toute que seule, vos oui. cousines ne l'ont pas vue. Personne ne l'a vue, non. Vous n'avez pas vu cette créature. Cette créature, vous regardez-vous ou... Non, elle me regardait, elle me fixait. Elle vous fixait. Elle me fixait. Elle vous fixait. Et alors, quelques temps après, vous avez eu une manifestation physique sur votre corps. Qu'est-ce que c'était? C'était des plaques rouges, comme si c'était de l'eczéma, des grandes plaques que j'ai eu du mal à atténuer. Pendant 2-3 jours, elles sont restées. Et à chaque fois, elles revenaient. À chaque fois qu'il y avait une période d'énervement où elles revenaient constamment, que c'était ça. Est-ce qu'il y a eu autre chose au plan physique? Oui, il y a eu des maux de tête qui reviennent chaque mois, pratiquement, vers le 15. Et qui sont inexpliqués, qu'aucun médecin n'a pu définir ce que c'était. À ce stade, il y a quantité de points communs qui surgissent, que nous connaissons bien dans le domaine de l'ufologie. Pendant une paire de jours, j'avais des maux de tête, je prenais des cachets, et ça se passait pas, pendant une paire de jours. Puis après, ça a été un peu mieux. Depuis que j'ai fait mon observation, je fais des angines à répétition, hein, des angines, des rhumes, je suis tout le temps enrhumé, et... Oui, il y a eu des maux de tête qui reviennent chaque mois, pratiquement, vers le 15.
Nous avons vu que aussi bien les Lopez que Mademoiselle Rodriguez, le jeune Olivier, ont eu des séquelles physiques, des maux de tête, saignements de nez. C'est pas du hasard. Cela se produit dans le monde entier. Dans ma chambre, j'ai eu toujours la sensation d'être observé, que ce soit à l'intérieur de l'appartement ou à l'extérieur. Alors, chaque fois en me retournant, je trouvais personne, mais bon, avant, j'étais jamais autant méfiant et ni autant transformé, entre guillemets, parce que j'avais vraiment à chaque fois l'impression d'être observé, espionné. Je ressens à chaque fois comme une présence, quelque chose autour de moi. Et avant, vous ne ressentiez pas cette sensation ? Non. Et plusieurs fois dans la rue, je me suis retournée et évidemment, je suis prise pour une folle, ça. Parce que j'ai toujours l'impression d'avoir quelqu'un, que quelqu'un me suit. Et avant, non, vous n'aviez pas du tout cette sensation ? Non, jamais. Un point commun à souligner pour ce qui concerne Laurence et ce garçon Olivier, c'est cette sensation un peu obsédante de présence. Pas permanente, mais sporadique. C'est fréquent. On le rencontre partout. Et ce n'est pas du rêve, c'est vrai. Et c'est vrai, parce que nous sommes une espèce sous surveillance de ces êtres qui viennent d'ailleurs. On trouve dans des ouvrages, en particulier E.T. Connection de Timothy Goode, c'est un ouvrage collectif paru auprès de la Cité, on trouve les extraterrestres sont parmi nous. Bien sûr, s'ils contentaient de se balader, ce serait un moindre mal. Là, on les montre agir, et c'est fichtrement inquiétant. Un bouquin va paraître vers le mois de novembre 1994, de David Jacob, un auteur américain. Il aura pour titre Secret Life, ou plutôt Vie secrète, avec un sous-titre qui n'a pas encore été trouvé, qui voudra dire les extraterrestres qui sont chez nous, qui se manifestent, enfin peu importe. Rappelez-vous, Vie secrète, David Jacob, novembre 1994, auprès de la Cité. Mais, dans un an, second semestre 1995, un bouquin encore plus extraordinaire, procédant de la même manière, des enquêtes sur des jeunes femmes qui ont été enlevées, inséminées, etc. C'est un médecin, c'est le docteur John E. Mack, que j'ai rencontré trop rapidement lorsque nous avons réalisé la cassette OVNI USA à Richmond, en Virginie, et qui nous a confié la traduction de son ouvrage qui s'appelle Abduction, Abduction. Abduction, ça veut dire enlèvement au pluriel. Et là, il a lui-même enquêté, il a lui-même examiné, il a lui-même hypnotisé de nombreuses jeunes femmes aux États-Unis qui ont vécu le même enfer, le même drame humain. Et ces jeunes femmes ont parfois, quand elles en ont parlé librement, subi les mêmes affres de savoir qu'on les prend pour des menteuses. Ce ne sont pas des menteuses. Ce sont les imbéciles qui rient, qui font croire qu'elles sont des menteuses. Elles ne mentent pas. Elles révèlent quelque chose de dramatique qui leur est arrivé. Mais tout ça, direz-vous, c'est encore aux États-Unis. Mais non, nous avons en France. Nous avons rencontré une famille. Par souci de discrétion, nous l'avons invité, cette famille, au Novotel de Nancy, pour le premier contact. Le père, la mère et l'enfant qui ont vécu des expériences analogues, perception de ses présences. L'enfant a souffert dans sa chair de cette aventure. Le père, la mère vont nous expliquer pourquoi. Georges, nous avons fait une petite réunion, une petite rencontre au Novotel de Nancy Ouest. Ça, c'est pour noyer le poisson, pour les indiscrets. Et nous sommes maintenant chez vous, quelque part en Lorraine. Votre épouse Geneviève et puis le petit Phil. Quelque chose s'est passé dans votre vie il y a à peu près 5 ans. Quelque chose d'insolite. Comment tout a commencé ? Eh bien, ça a commencé par l'apparition de petites silhouettes noires assez furtives. Ma femme Geneviève en a vu de son côté.
moi du mien, mais jusqu'à un événement, nous n'avons jamais discuté de ces choses-là entre nous. Ça, vous étiez un peu gênés l'un l'autre en disant, si moi je le dis, Geneviève va s'imaginer que je rêve. Et Geneviève, de son côté, se disait, si je dis ça à Georges, il va penser que je rêve aussi. C'est ça. Oui, effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Au début, ça se passait toujours quand je travaillais dans la cuisine. C'était toujours par la porte-fenêtre, il y avait toujours une petite ombre qui apparaissait comme ça, puis dès que je me retournais brusquement, ça disparaissait. Et au début, ça faisait comme une sorte d'angoisse. À partir d'un certain moment, ces ombres ont cessé d'être seulement des ombres. Vous avez perçu quelque chose de... Oui, qu'on me touchait. Un contact. Oui, un contact. Parce que j'étais en train de préparer à manger, d'éplucher des légumes. Et puis j'étais penchée sur mon ouvrage. Et puis j'ai senti quelqu'un qui me frôlait derrière, comme s'il voulait regarder qu'est-ce que je faisais. Et je me suis tournée, parce que là, j'étais quand même habituée à ce... Peut-être pas à ce frôlement, mais à avoir des ombres, habituées. Et je me suis retournée tout doucement et j'ai vu disparaître... Une silhouette. De grande ou petite taille? De ma taille, quand même. Et un jour, vous avez vu simultanément l'une de ces silhouettes mystérieuses, et c'est là que vous avez découvert que tous les deux, vous ne rêviez pas, et vous voyez la même chose. Ensuite, c'était l'année 92, Phil a fait un cauchemar une nuit, enfin un cauchemar entre guillemets, et il était très très terrorisé, j'ai mis à peu près plus d'une demi-heure à le calmer. Et il m'a dit qu'il avait rencontré des extraterrestres, qu'ils étaient venus dans sa chambre, des petits êtres avec des poils. Le lendemain matin, donc, je lui ai demandé de me faire un dessin. Et ce dessin représente assez bien l'illustration d'un EBE, un petit gris. Par la suite, Phil nous a appris que ces êtres revenaient quelquefois le voir et lui enfonçaient des aiguilles... à différents endroits. Donc, quelquefois, elles laissaient une trace, d'autres fois, non. Elles ont laissé, donc, principalement une trace dans la colonne vertébrale, au niveau où on fait les ponctions lombaires habituellement. Et il s'est passé au moins plus de 2 mois avant que la trace disparaisse. Donc, j'avais même fait une photographie. Parce que je voulais refermer la porte de mon fils, parce qu'il la laisse toujours entrouverte, parce qu'il a peur la nuit. Et quand je voulais m'approcher de la porte, j'ai entendu « elle est là ». Alors moi, j'ai dit « je rêve » ou c'est... Voix masculine, féminine Je ne sais plus. Non, je peux vous dire, c'était une voix. Et j'ai ouvert tout de suite la porte parce que j'ai eu peur qu'est-ce qu'ils vont faire à mon garçon. Alors je suis rentrée et il n'y avait plus rien. Il dormait. Mais depuis que j'ai entendu ses voix, je suis sûre que quand je suis toute seule la nuit, j'ai l'impression d'être surveillée. Même quand j'éteins les lumières, il y a un soir, et j'ai l'impression qu'il y avait des ombres tout autour de mon lit. Des présences. Oui, une présence. Et dès que j'allume la lumière, il n'y a plus rien. Pas de perception de bruit de pas, non? Non. Et j'ai l'impression d'être toujours épiée quand je veux dormir. Et puis j'ai pas l'impression qu'on essaye de m'hypnotiser. Et alors c'est sûr que ça m'empêche beaucoup de dormir. Cette sensation d'être hypnotisée se traduit comment? Vous percevez des lumières? Vous percevez... Oui, c'est des rayons circulaires. Blanc. Un faisceau. Oui, un faisceau. Comme si on voulait me faire rentrer dans ce faisceau. Alors chaque fois, j'ai dit non, je ne veux pas y être. Alors j'ouvre les yeux, j'ouvre la lumière et la sensation disparaît. Oui, disparaît.
cas, j'ai jamais essayé de marcher dans leur jeu, dans leur système. Autrement, ils reviennent souvent lui faire donc ces petits prélèvements, je ne sais pas quoi, lui mettre ses aiguilles. Et c'est là qu'il nous a parlé donc de nouveaux types de créatures sans poils. Je vous ai posé la question lorsque nous en avons parlé au téléphone l'année dernière. Est-ce que vous aviez laissé traîner mon roman Vérité et Bien? Et vous m'avez dit pas du tout, il ne l'a jamais vu. Non, je l'ai acheté après même. Après. Donc il n'a pas pu être influencé par l'illustration de couverture. Non. Absolument. Puisque en plus, quand je l'ai acheté, je ne l'ai même pas montré tout de suite. Et bon, un jour, je lui ai montré, je me semble que c'était vous qui m'aviez dit de lui montrer. Mmh. Et il m'a dit, ah oui, effectivement, c'est cela. En parlant des velus. Des velus. Donc le fils de Geneviève et Georges a été enlevé maintes fois par des gris, à son corps défendant bien sûr. C'est un schéma qu'on retrouve régulièrement, et à ce propos, j'ai rencontré cet été à Paris, chez mon confrère ufologue Claude Raffi, notre ami Wendell C. Stevens, qui apparaît dans la première cassette, cet Américain de certain âge qui a vécu des aventures curieuses, mais dont la petite fille, elle aussi, a été enlevée par les gris. C'est un schéma qui est classique. Et en ce qui concerne Phil, fille de ce couple, nous allons l'interroger. Et là, vous allez avoir une surprise. Phil, tu as eu des aventures étranges. Tu as, pendant ton sommeil, tu as vu des choses. Puis ensuite, tu étais réveillé, tu avais très peur. Tu as appelé tes parents. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est qui s'est passé en réalité? Devant notre terrestre, puis après il m'a enfoncé une aiguille. Une aiguille? Et après il est reparti. Où est-ce qu'ils t'ont enfoncé l'aiguille? Là, dans le dos. Dans le dos. Dans le dos. Est-ce qu'ils l'ont fait plusieurs fois? Puisque tu as été avec eux plusieurs fois, ils sont venus te voir plusieurs fois, ils t'ont enlevé plusieurs fois. Chaque fois, il ne te piquait pas avec une aiguille. Non. Non. Puisqu'il ne te piquait pas avec une aiguille, qu'est-ce qu'il faisait? Je vous avais annoncé une surprise. Peut-être que vous êtes un peu déçu. Je vais y revenir. Je voudrais souligner d'abord que cet enfant que nous avons vu au Novotel, en prenant le café avec ses parents, nous avons parlé de choses et autres, très amicalement, je lui ai dit, j'ai des petits-enfants comme toi, etc. Il parlait librement, avec le vocabulaire d'un enfant de 6 ans. Et puis, nous l'avons interviewé, il a répondu, peut-être pas de façon très précise, mais lorsqu'il s'agissait pour moi d'aller, sinon dans ces derniers retranchements du moins, de lui soutirer, de lui tirer les verres du nez, de lui soutirer des informations un peu plus précises, il faisait un blocage, on a caché son visage, on n'avait pas pu voir son expression. Ça donnait à peu près cela. Avec un regard un peu anxieux, il ne pouvait plus parler. Il faisait un blocage. Je parlais d'autre chose, il redevenait normal, et je recommençais. Et là aussi, un blocage. Et on sentait cet enfant qui voulait parler, mais qui ne pouvait pas parler. Pourquoi? Parce qu'il avait subi ce conditionnement post-hypnotique, ce conditionnement dû au sinistre gris, dont il était l'une des très nombreuses victimes. Quand j'ai su que j'étais enceinte, on s'est demandé avec mon mari comment on a pu le concevoir. C'était un mystère. Parce que nous, on voulait quand même 2-3 ans de repos, quoi. Mmh. Et ça nous arrivait comme ça, sur vraiment un imprévu. Et on a fait les tests de grossesse. On a fait un premier test qui nous a été révélé négatif. Et puis après, on a fait un autre au bout de 15 jours, 3 semaines. Et là, il était positif. Alors là, je dis, tiens, je suis enceinte. Mais c'était vraiment un mystère. Geneviève nous l'a confié. Cette grossesse n'aurait pas dû se produire. La conception n'était pas du tout programmée à ce moment-là, et pour des raisons que ses deux parents connaissent fort bien,
elle leur a paru à l'un comme à l'autre extrêmement curieuse. Nous, ça ne nous a pas étonnés, car nous savons que dans bien des cas d'enlèvement, de contact rapproché, une jeune femme s'est retrouvée être en attente de maternité, ce qu'elle n'avait pas du tout recherché. C'est donc un point commun. Nous ne pouvons rien affirmer, nous constatons. Les autorités nous cachent des choses, nous savons ce qu'on nous cache, ou du moins une partie de ce qu'on nous cache. Et c'est pourquoi il a été créé l'UECDDS, l'Union Européenne de Chercheurs pour le Droit de Savoir, dont la réunion, presque constitutive, s'est tenue à l'hôtel Libis de Grasse en février 1994. Et là, nous allons voir des spécialistes, des ufologues, des gens qui n'en rêvent pas. Nous avons reçu tout d'abord le docteur Dominique Combe, qui est le président de l'UEC, DDS, Union Européenne de Chercheurs pour le Droit de Savoir. Dominique, tu t'es attelé une rude tâche. Je vais te demander de résumer un peu les buts de ce groupement, et qui comporte, c'est très important de le signaler, des médecins, des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs, entre autres. Ma première mission est de m'assurer de l'intégrité morale, intellectuelle et également scientifique de tout le bureau. Et donc nous allons essayer d'amasser des preuves ou de récupérer des preuves qui ont été cachées par une motion de manière à pouvoir savoir. C'est le droit de tout citoyen, c'est le droit de savoir s'il y a une possibilité de visiteurs ou de présence extraterrestre sur Terre. Peut-être que c'est une hypothèse qui n'a de vérité que de 1 ou 10%, mais de toute façon, on n'a pas le droit de l'écarter en ce moment. Le fait que l'UEC comporte justement des hommes de science, des scientifiques, des médecins, biologistes et autres, tu es médecin et biologiste par exemple, va nous permettre de créer un groupe, un centre, une antenne. C'est l'intérêt de cette association, c'est que au moins toute information pourra être disséquée d'une façon honnête et scientifique. On peut avoir recours à d'autres personnes, d'ailleurs, dans nos connaissances et nos amis. Et à ce moment-là, on pourra affirmer ou infirmer certaines conclusions, quelquefois hâtives, de certaines associations plus ou moins gouvernementales. Il existe malheureusement des rapts, des abductions, comme disent les Américains, des enlèvements, que ces gens qui sont enlevés subissent des examens médicaux, des examens jusqu'y compris gynécologiques chez les femmes, avec biopsie, prélèvement de peau, etc. S'il y a des effets physiques, ce sont des hommes de savoir et de connaissance qui vont juger. Il va falloir savoir, un peu savoir le but de leur prélèvement, le pourquoi, si on arrive à comprendre, et peut-être s'il y a eu pose d'autres greffons ou de récepteurs. Faudra les chercher par toutes les voies scientifiques connues, partant depuis l'échographie, les scintigraphies, et puis scanner ou résonance magnétique. Et on fait appel également à tous les scientifiques qui veulent apporter une pierre à notre travail. Claude Chapeau, tu es le coordonnateur de l'UEC, l'Union Européenne de Chercheurs pour le Droit de Savoir. Et ça a été, je crois, une journée mémorable à plusieurs raisons. Mais oui, je t'ai entendu dire que c'était une journée historique. Pourquoi une journée historique? Parce que nous avons préparé une motion de censure qui a été signée par plus de 40 personnes, 40 membres adhérents à l'Union, à l'UEC. Et cette motion va partir donc sur le bureau du président de la République, au Parlement européen, traduite en anglais, et dans tous les États membres de la communauté, et également à M. Bill Clinton, avec espoir de retour. Bien évidemment, l'UEC a fait feu de tout bois. Il a envoyé des courriers un peu à toutes les grandes personnalités d'Europe, et il a reçu des réponses. Elles n'ont rien de transcendant. Hein. On sent que chacun se réserve un petit peu, mais on sent derrière tout ça, c'est l'étouffoir. C'est visible. Le fameux
ordre mondial, nouvel ordre mondial, dont on a beaucoup parlé, qui est lié à la trilatérale, et donc indirectement au gris, avec le MJ-12. Cet auteur, qui n'est pas connu, Pierre Jurvilliers, vient de publier, à compte d'auteur, l'opération Delphes 2. Politique fiction, rien à voir avec les ovnis, mais Pierre Jurvilliers dénonce cette mainmise occulte qui garrotte les nations. Un oubli, Pierre Jurvilliers, et je ne le savais pas, a été le mécanicien de bord de Jean-Gabriel Grelet du temps où il pilotait des Boeing. Et Pierre Jurvilliers, j'ai eu au téléphone récemment, ne savait pas que je connaissais Gabriel Grelet. Intéressant. Quelqu'un qui a aussi lutté contre cette emprise du mondialisme, c'est Jimmy Goldsmith, qui a été le second sur la liste de Philippe de Villiers, et qui a écrit Le Piège chez Vixo. Absolument à lire, c'est intéressant pour cette nouvelle mainmise. Et puis enfin quelque chose de, où nous revenons dans le domaine des ovnis, c'est Alain Tell de mon confrère et ami Jacques Vallée, paru au Mercure de France. En 86, donc écrit en 85. C'est important. Parce que là, Jacques Vallée dénonce, sous forme romanesque, cet envahissement, ce contrôle mondial par Alain Tell. Ça pourrait être un jeu de mots américain, All Intel, tout dans le téléphone, dans les télécommunications, car c'est de ça dont il est question. Mais là, pour étouffer la vérité sur les ovnis, Jacques Vallée allait très loin. Il a fait machine arrière, il est devenu beaucoup plus prudent. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le problème pour les autorités n'est plus d'étouffer tout à fait la vérité, mais de savoir comment ces autorités vont faire pour peu à peu en révéler une partie. Et là, je vais, mes amis, vous apprendre quelque chose. Je ne pense pas que, avant la réalisation de cette cassette, la presse en aura fait état le 5 mai. Et le 9 juin 1994, sous couvert du Club 89, qui est un club de réflexion, comme il en existe beaucoup, club de réflexion tendance majorité actuelle, et c'était pas public, contrairement aux autres réunions du Club 89, c'était strictement privé. On a réuni ça là des personnalités, des agents secrets, des diverses agences existantes en France. Il y avait des gradés, c'était pas des adjudants, vous vous en doutez, c'était le top niveau de l'armée, de l'air, etc. Et sous le couvert de Club 89, il y avait quelques ufologues, moi je n'étais pas invité, vous vous en doutez, de même que je ne suis jamais invité à Mystère, on a peur des esclandres. Alors là, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait aller un petit peu plus loin sans trop faire de vagues. Alors je crois que c'est le début d'un certain nombre de révélations, mais je suis certain aussi que toujours, par des gens qui tirent les ficelles des officiels, une sorte de contre-vérité va se faire jour. On va essayer de minimiser, on va dire oui, les ovnis effectivement ça existe, mais ils sont si loin, ils viendront jamais, les extraterrestres. Alors, d'un côté, nous allons assister à des révélations, c'est sûr, en ce qui nous concerne, nous, en Europe et en France, et puis peut-être une sorte de force négative qui va contrebalancer cela pour maintenir ce statu quo d'interrogation. Mais sachez que les jours de la censure, les jours des mensonges et du complot planétaire sont comptés. Oh, je ne peux pas vous dire quand ça va finir, mais nous sommes, je crois, sur la dernière ligne droite. Rappelez-vous que depuis quelque temps, après nos amis belges, c'est en France qu'on voit des engins de gigantesques dimensions. Je discutais avec Guitarade il y a peu de temps au téléphone, il me disait, tu sais, c'est sûr que quelque chose de nouveau va se produire. Alors pas besoin d'astiquer une boule de cristal que nous n'avons pas, il va se passer quelque chose. C'est quelque chose de nouveau. Il faut s'y préparer. Je ne dis pas que ça va révolutionner le monde, mais nous sommes sur la voie, je crois, qui aboutira à la vérité. Et je rappelle que cette vérité va être enrobée de bonbons pour être plus facilement digeste. Mais je rappelle ce que mon vieil ami, mort l'an dernier, Aimé Michel, disait lorsqu'elle était rien.
sauront ce qui se cache derrière les extraterrestres, les soucoupes volantes. Cela déclenchera en eux un Hiroshima psychique. À bientôt, j'espère, amis.